était où ouais, on venait de battre, de maltraiter un animal, en surpoids, en plus. Donc, je sais pas qui faut appeler, les féministes ou PETA. Il faut aller maintenant à la résidence Duncan. Attends, c'est ça, ouais. La carte, la carte. Histoire. Vers le manoir de Cornéo. Voilà, on avait fouillé. Ouais, en plus, on avait fait tout ça, tu vois. Il restait cette partie-là à fouiller. Let's go. Warm relaxation, the sweet embrace of pretty ladies. Oh, that's what I. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est le gars qui s'est barré qu'on a failli tuer. On a failli tuer. Ah, Johnny. Ouais, ouais, Johnny. The fuck are you here? To enter or not to enter, that is the question. Ah, le mec il s'en remet bien, il s'en remet bien. You totally get where I'm coming from, right? Êtes-vous tourmenté par des questions philosophiques? Vous avez 3 heures. Non, moi je sors ma carte coronavirus. Note sur le sur le contrôle continu. Eh ouais. Ah, j'aurais été tellement dans la merde si j'étais dans cette année, moi. Putain. Parce que moi, je suis passé, mais... Ah, mais en basant tout sur le bac, en fait, et pas sur mon année, j'en ai rien à faire. Ouais. Jamais faire ça, hein. S'il y a un gosse qui nous écoute, jamais faire ça. Travaille, travaille. Mais c'est pas ce qui t'empêchera d'aller dans une école de droit. Mais travaille, mais travaille. Bon, Tu dis de mauvaises choses. C'est pas bien, faut pas l'écouter. Bon, la mauvaise conscience, tu te donnes. C'est la bonne conscience. Non, pas pour moi. Bon, êtes-vous tourmenté par des questions philosophiques? Bah, en vrai, j'ai envie de te dire jamais. Mais c'est toujours quand j'ai envie de dormir ou que je suis sous la douche que c'est saloperie me vient à l'esprit. Parce que toi, Chérian, on dit, ouais, les mecs, sous la douche, ça doit penser à des trucs cochons. Ah mais je vois ça souvent sur internet, mais nous les mecs, quand on est sous la douche, on se pose des questions philosophiques. Tu vois, on a le pommeau de douche au-dessus de la tête, quand t'as pas un truc pour le tenir, donc t'as ton bras, tu tiens déjà le pommeau de douche, t'as l'air bien réticule à poil tout seul, et t'as l'autre main sur le menton, avec le doigt qui monte vers l'œil en mode mais pourquoi on ferait pas ça dans la vie, je sais pas, sur n'importe quoi, pendant 10 minutes. Et après on reste encore 10 minutes parce que l'eau est agréable. Mais les 10 premières minutes, c'est parce qu'on se dit « Ah, si cette situation-là exactement arriverait, c'est comme ça que je parlerais. Que je prendrais la parole devant autant de public et tout, et que ce serait moi le héros social et tout. » Ah ouais. Ouais. Ça marche. I knew it. Let me guess. After you've had your fun, you fall into a spiral of shame and self-loathing. But it only lasts a moment, doesn't it? Next thing you know, you're right back here again. Huh? Got a question for me? Oui. Seen Tifa around? Tifa, my love, my light? Who are you and how do you know her? No, shut up, I don't care. Tifa's here? Why? Tell me why! Non, 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 ma question c'était pas Tifa. I did this enfin, oui. Didn't I? C'est ma question. C'était, il est où ton t-shirt? Snap out of it, Johnny. Your Tifa needs you. Tifa, I'm coming, baby! Who was that? Tu veux pas savoir. Nobody you want or need to know. Tu veux pas savoir. Johnny le vagabond. Histoire annexe. Bonjour madame. Fais gaffe, hein, j'ai vu des épisodes comme ça avec McCoy dans Perth, comment ça s'appelle là? Police judiciaire. Ouais, police judiciaire. Fais gaffe, hein. Le viol, c'est pas cool. Certains te diront si. Ah, ça va, Chad? Non. Pas cool. Tu connais la blague. Tu veux qu'on joue au jeu du viol? C'est ça l'esprit. Ah, elle est dégueulasse. Hey there. Très are you looking for anything in particular today? Please, feel free to look around. Mais c'est pas la vraie vie?
Je peux pas acheter si tu me dis pas l'option au menu. C'est un jeu. Mais je peux pas prendre un article et venir ici. Oh, tant pis pour toi. C'est peut-être elle qui doit parler. Elle reste là. On dirait la petite sœur timide là qui rentre pour faire les courses pour les vêtements. Oh. Toi, c'est un coiffeur qu'il faudrait. T'inquiète, Iris. T'as tellement beaucoup plus de style qu'eux. Enfin, il y a quand même les chaussures de ton grand frère. Mais ça... Ça va, ça suit bien. C'est un jeu Final Fantasy. C'est parce que son visage va bien. C'est pas... Oh. Ah bah là, on parle. Enfin... Ça ressemble pas comme ça à une salle de gym. J'espère. Enfin, il n'y a pas ce genre de commentaires. Mais en vrai, c'est assez correct. Je veux dire, un truc de boxe. Si ça ressemble à ça. Je pensais pas qu'ils allaient le refaire. C'est dans l'original. Oh, un bandeau. Plus besoin de papier toilette. Yodor. Oh, c'est chinois. Oh non. Oh non. Pas un coronavirus 2.0. Oh non, je rentre pas. Ah non, non, on vient à peine de sortir du coronavirus. Non, on n'est pas encore sorti. Ouais, mais enfin, t'as compris. J'ai pas envie de tomber dans un. La version S, tu vois. Ouais. Oh putain. Putain, le Gatling. Welcome to Walmart's premier weapon shop. Oh! Oh, t'as vu la tourbi... Là, t'es une toupie Beyblade. Regarde. Fais tournoyer l'épée et l'abat puissamment sur l'ennemi. Consomme 2 barres d'ATB. Ah ouais. Dégâts augmentés contre les ennemis en état de choc. Bracelet nitrile. Non, ça j'ai déjà. Je m'en fous. Oh! Gilet pare-balles. Gilet pare-balles renforcé! C'est pour Tifa. Et Aeris. Non, c'est pour Tifa. Talisman. Ah, ça augmente ça pour. Un talisman que les anciens utilisaient, paraît-il, tous les jours. Ha! 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 Et j'ai pas de thune. Quoi? Oh, mais ça m'a coûté la peau des fesses! Ah, mais ça coûte cher la guerre! Je comprends pourquoi t'as pas pu t'acheter des lunettes correctes, mec! Do come again! Oh non, mais je comprends! Oula! Oula! Oula, ça sent police judiciaire dans ce coin! Oula, on va partir! Le plan cul foireux, très peu pour moi! Quand même, hein, le restaurant chinois. Bon, allez. On met notre masque. Et on rentre. Des gants. Ah bah ça, c'est déjà fait. Recule, Satan. T'approche pas. Tu pues le virus. Regarde, il y a déjà un mort. Oh, ses enfants sont morts. Dig a hole and throw me in. Ah, lui aussi, il est condamné. I'm already dead. Been playing about 40 years now. Ah, eux, des Français typiques, ils en ont plus rien à foutre. Oh, on tient à nous de terrasse, hein. Ah, c'est quand même un mode de vie. Pour l'écouter. Thank you. Quoi? I signed with Shinra Records a while back, but I'm still looking for my first big hit. It's been 7 years now. Not easy, but you gotta do what you love.
and I love to sing. This is a new song of mine. Maybe it'll be that number one. C'est sa mère. Voilà, il n'y a pas d'autre excuse. Personne ne l'écoute. C'est sa mère. Iris, tu fais peur. Ouh là là, attention. La zone de crime. Attention. Il balance les preuves dans les égouts. Le mec est tellement désespéré quand même qu'il te donne son propre album, tu vois. Il sait même plus de le vendre. Ouais. Il est au point en mode, non mais je veux juste que quelqu'un l'écoute. Pauvre. J'ai mal au cœur quand même. Ouais. Non, là je viens de là, c'est l'armurerie. Qui coûte ultra cher. Non ! Check it out. I think we might have found our man. And he's a gaudy one. Yeah. Ouais, je sais. Ah ah! Les égouts! Oh putain, ça a l'air d'être la suite de l'histoire. Genre, tu fais le tour pour t'incruster. Genre, en fait, à l'entrée, ils vont te dire... Ça rentre pas. Ouais, c'est toi. Tu vas faire... S'il te plaît! Ça rentre pas. Tu vois, le garde. Ah non, il y a même personne. À moi. Tu vois, regarde, la grille. À mon avis, tu peux passer par au-dessus où il y a un trou. Ah ouais. Ouais, sûrement. Je suis sûr que c'est par là. C'est par là. Oh merde. On peut vraiment rentrer. Wow. Eh, j'ai pas payé hein, pour ça. Je veux dire, c'est comme les témoins de Jéhovah, tu sais. C'est... Il toque... Bonjour, on peut vous parler de notre Seigneur et Sauveur à tous, et Jésus-Christ. Et toi, t'es en mode... Ouais. Allez-y, rentrez. Les mecs sont en mode... Wow. On nous a jamais... Ah non, c'est bon. Ouais, je disais, en fait, les témoins de Jéhovah. Putain, même la musique. Même la musique, c'est coupé, les temps. Non, mais c'est bon, ça a cassé le délire. Non, parce qu'il y a une petite pause, en fait. Mais, ouais, les témoins de Jéhovah, t'es en mode... Ouais, allez-y, rentrez. Ils sont en mode... Oh. On n'est jamais allé aussi loin. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est pareil, c'est d'habitude, la porte principale, elle est fermée. Merci, je... T'as compris. Laissez-moi deviner, c'est pour cuire les enfants? Ou vu vos tronches, c'est vous qu'on a cuit. Not so fast, buddy. Back it up. Got no need for pretty boys here. We're looking for someone. Let me guess. First time in Wall Market. Yeah? So? So people can't just walk through the Dung's front door. Especially men. How about me then? Can I go inside? Maybe. But you're gonna wish you didn't. You know Leslie? She's kinda cute. Homely, but cute. Excuse you? Kinda cute, it's not gonna cut it. Come on, can't you help us out? Do you have any idea what you're getting yourself into? Aerith. Même le méchant, tu seriously, Les? She's not that bad. With a little work, I bet she'd clean up real nice. Cloud, requesting permission to kill. Denied. If you're really sure you want to join an audition, then you're gonna need to get official approval. And who can give us that? The trio. The only ones in town who are considered authorities on Corneo's particular tastes. First, there's Chocobo Sam. And then there's Madame M over at the massage parlor. Last but not least, there's the Honeybee Inn's Andrea Rodea. They're an eccentric bunch, to put it mildly. Ouais. And you should know they don't recommend just any girl stupid enough to come knock. Et pourquoi je sens mal le salon de massage, surtout en particulier, je sais pas pourquoi. Thanks for the info. Je m'en rappelle même pas. Parce qu'en fait, je me rappelle même pas s'il est dans l'original. C'est pour ça que je le sens mal. If you're hellbent on getting in, then go bother the trio. Merci Noctis version bleu. If you're hellbent on getting in, then go bother the trio. T'as même quand le méchant, tu sais, il est en mode. Ouais, attends. Tu
Il va pas rentrer ici, mec. Ouais, c'est vrai, il est gentil. C'est un... Non, il est pas gentil, mais en mode... Il travaille pour un méchant, c'est un goons. C'est littéralement vrai. Aerith, you sure about this? If you've got any better ideas... Not really. So that's the way it is. Oh, Tifa's been invited into the Don's estate. Huh? But to earn such a privilege, you must first win the approval of one of the trio. Right? Meaning, I now know what I must do to save her. Stay strong, Tifa! Help is on the way! Johnny's coming, baby! Not the sharpest tool in the shed, is he? Nope. T'aurais pu au moins essayer de dire oui. Enfin, il est spécial. Non, directement, non. Il est complètement con. Plan B ? Oh putain. C'est la fuite, ça, ou... Y'a quoi là-bas? Tu vas t'arrêter une porte. Toi, avec ton épée. Déjà que tout te parle mal. Tout... Ah! Ah! D'accord. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Elle est ouvrable de l'autre côté. Ouais. Ok, non, ça par contre je sais... En fait ça tu verras plus tard. Ça je sais d'où... Ça sert à quoi. Ça c'est pour la fuite. En gros c'est ça. Ça va, tu suis le marathon? Non, elle en peut plus. Attends, bleh, elle vomit dans le coin, tu sais. Mètres. C'est parti. Holy shit. Comment ça s'appelle le truc dans Naruto? Hey there, friend. Grab a seat. Shiraku. Any seat that's open. Avoir des Naruto. So, what will it be? If you want a recommendation, try the recommend. Mais on est dans un jeu, mec. Il faut. Bon. What's the mystery fish set? Hop. Ah oui, d'accord. Yo, on te recasse les couilles. Not you two again. Told you once, I'll tell you a thousand times. Got nothing for you. Now scram. Wait, here's out. You're one of the trio, right? I want you to get me into the audition. Huh? Pretty please? Why not? Really? Sure. Next time an audition comes around, I'll put your name in the hat. Next time will be too late. Can't you get me into this one? You want in now? No can do, sweetheart. Already recommended Tifa. She's got this in the bag. How can you be so sure Corneo will pick Tifa? You never know, he might pick me. Damn, you really do want in, don't you? Sure do. Then how's about we play for it? Call it, Missy. Heads or tails? Tail. Toujours la queue. Yes, right. And I'll grant you your wish. C'était vachement gay, mais je pensais pas, c'était pas dans son sens. Wrong, and you'll leave me in peace. Espèce de petit fils de... C'est pas le choix entre face et pile qui m'intéresse, Head and Tails, c'est surtout le j'aime pas parier qui me fait chier. Il voulait pas me... Attends. Et j'en suis sûr, il voulait pas me recommander. Enfin, pas moi, mais Aerith. Je parie que sa pièce est truquée.
No thanks. Oh, not a gambler, huh? I am! Heads! Huh? Hmm? Hmm. Tail, you lose. Hey, don't look so glum. You're a pretty enough gal. Just not quite Corneo's cup of tea. But if only the Don will do, try convincing one of the other two. That's why it's a trio, and not just the Mio. Now skedaddle. Wait. Mind if I see that coin of yours? Ouais, 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 exactement, fils de pute. Espèce de chien. Non, je parie que... Attends. J'en étais sûr. Trick coin. I had a hunch. Bah, dans tous les cas. That's cheating. And that's the Wall Market way. Lesson learned. Ouais. Mais... Still cheating. Mais attends, mais si t'avais 10 piles, il aurait été baisé sur les deux côtés. Ouais. Mais on s'en fout, mais il a quand même... Ah, attends. Il a quand même triché. Mais j'en étais sûr. Le mec, il voulait pas nous recommander. Il a pris une pièce truquée, puisque jamais il aurait fait un truc comme ça. Tu crois vraiment que je suis né de la dernière pluie? Pièce de Chocobo Sam. La pièce que Chocobo Sam a utilisée pour un pari. Un Chocobo figure sur les deux faces. Mais peut-être qu'elle a une valeur. C'est un objet clé. Ça c'est... Massage. J'ai un frisson là, je sais pas pourquoi. Même la musique. Me force pas à péter la vitre. I guess they're closed right now. Revenez au salon après avoir reparlé aux autres collaborateurs. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Dans tous les cas, c'est la même chose. Voilà. Dans tous les cas, j'aurais perdu avec l'autre. Ouais. Vachement linéaire. On l'a. Est-ce qu'il... J'ai encore tellement pif que je sais pas où je vais. C'est par là. Je suis trop fort. Mon dieu. Damn man. This the place? What's it supposed to go down like this? Think so. I just wanted to see. Let me handle this. Curse you wait out here, will. Okay? But then why would I do like... that? No, I'm coming with. I'm not really sure that. You're a man of many talents, but talking isn't one of them. Comment il se sent insulté? Oh my god, I finally get to... I mean, shit. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? T'as pas sucé le patron? I mean, shit. Non, je pense savoir ce qu'il a fait. Il a fait quoi? J'ai dit, je pense. Wow. Bonjour, madame. Oh, oh. Bonjour, mesdames. Good evening. Oh. Hey, Welcome to the heart and soul of Wall Market, the Honeybee Inn. Is there a honey boy or girl whose company you desire? We're here to see Andrea Rodea. Ah, the shining star of the Honeybee Inn. Now, are you the one who made the appointment, sir? Can I have your name? Oh. We don't have an appointment. Mon nom c'est Cloud et mon numéro de réservation c'est l'épée que j'ai dans le dos. An appointment is required. And the earliest available slot is 3 years from now. 3 years? 3 ans? All we want is 5 minutes. He can spare that. I need his help for the Corneo audition. Yes, well, regardless of the circumstances, you cannot meet him without an appointment. Is there really no other way? It is rare.
but Mr. Rodea does occasionally extend invitations to individuals who catch his eye. Otherwise, I'm sorry, but there really is nothing that can be done. I guess that's that then. Oh well, let's try someone else. I'm sorry that I couldn't be of more help. Quelle est la meilleure façon d'attirer l'attention d'un danseur? Danser. Ah. Ouais, normalement. C'est la psychologie du bordel, quoi. Tu te trompes jamais, quoi. Tu vois, j'ai un mauvais pressentiment. Reviens ici, qu'est-ce que t'as vu? Police judiciaire, qu'est-ce que t'as vu? Ok, calme-toi. Ouais, t'as pris ton t-shirt? Oh, Johnny's been had. She's a siren, I tell you. My gill. Oh, Johnny's been had. Ok. Aerys, t'as raison, tu vas en première. This must be the place. Ah non, a priori, attends. Bonjour madame. Welcome, welcome. Just the two of you? Step right up. Now then, what manner of massage do you desire? Say what? Is this your first time in our establishment? Mm-hmm. We are a hand massage parlor. An excess of fatigue and tension can make even the simplest task. J'ai des fourmis dans les mains. What the fuck? It is our pleasure to relieve our patrons of that. Arrête de montrer tes mains, je suis pas un fétichiste. And what better way to seek relief than through the skilled ministrations of a professional? So now that we understand each other, what manner of massage do you desire? Les pieds. Can you les pieds. Hoping you can help us get an invite to an audition with Don Cook. Say another word and I'll shove this fan right down your throat. J'en étais sûr. Ça sentait trop qu'elle avait son visage. This is the last thing I need. You're young and stupid, and I suppose that means you think I'll let you off easy. So, you want what? A favor? Well, here's the thing. This is a massage parlor, a respectable establishment. But if you don't require our services... Then tell me! Is there any reason I shouldn't have you dragged outside and shot for wasting my valuable time? Well... Ouais... Garde tes distances. Name? Cloud Strife. Hand. Give it to me! Non! Je me sens violée! Police judiciaire, à l'aide! À l'aide! The strong, firm hands of a fighter. Yet they possess a certain... Comment t'as deviné? Avec un équipement de soldat et une épée dans le dos. Waouh! Okay, Cloud. Let's see what you're made of. After that, we'll talk. Le regard de Clem. Which course will it be? Oh! J'ai tout pile pour le massage de luxe. Ah non, mais j'ai peur. Attends. Tu vas te faire arnaquer. Est-ce que c'est de l'arnaque si je l'ai voulu? En sachant. C'était de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Quand même. Franchement, j'ai les mains ultra faibles là depuis tout à l'heure. Je suis en mode. Ça me plaît pas comme situation. Vraiment, moi je. Then make your way to the room. Ça sert à rien de cacher ton vrai visage. Hein. On sait que t'es Cloud? Une pute, hein. C'est bon. This exclusive treatment is reserved for our most well-to-do patrons. On est dans ce délire, autant y aller jusqu'au bout. First, the hand cream. A generous coating for each and every one of your richly deserving fingers. The fuck? Let's start with the tips. C'est bizarre. That's it. C'est bizarre, mais c'est pas bizarre, c'est un next level, là.
Oh, commence pas à gémir, Cloud. Did that hurt? No. Then I'll move on to the base of the fingers. Tu sais, je suis en train de me dire c'est quoi le pire? C'est qu'elle a la seconde main. No, don't fight it. Non, t'as pas le droit, d'accord, tu m'entends? On regarde. And finally, some gentle stimulation for the palm. No more than a touch. Just like this. Oh, c'est trop bizarre. What was that? A cry of pleasure? Is this how you like it? How about this? Or maybe this? Non, mais non. Cloud, et c'est comme ça que Cloud n'a pas pu se servir de son arme pendant 3 semaines de suite. Ses mains étaient devenues trop smooth. Trop douces. Si c'était à votre liking, venez de nouveau. Right. T'as le mec qui boite alors que c'était juste ses mains. Comment Ça va. Il peut même pas me répondre. You okay? Yeah. You're acting weird, Cloud. I am? Really weird. Think you'll make a habit of it? Mais Gino, espèce de con! Alright then. I think I've seen everything I need to see. Le mec vient d'avouer qu'il a eu une érection de taré pendant le massage, quoi. And we'll take it from there. Sure you're okay? Yeah. Non, il va pas bien du tout. Sure you're okay? On est d'accord. Yeah. Il va pas bien. Il a été... Sure you're okay? Police judiciaire, yeah. Là. Mais faut... pendant une série, là. Il pendant... a touchement, là. Ouais. Là, c'est une enquête là pendant une saison entière là. Ah, il y a des retournements là. You're one of the trio, right? I want to get into Corneo's next audition. And why in the world would you want to do that? Okay. Really? But you cannot go dressed like that. Huh? I could never send Corneo a character in such a plain-looking getup. Doing so would call my position as one of the trio into question. Is something wrong with my outfit? Oh merde. J'allais dire, ouais, c'est Cloud, il va dire, laisse-la parler, tu vois. Mais il s'est fait violer les mains pendant plus d'une demi-heure. Je crois que là, il est pas dans lui. Il est plus lui-même. On va dire, le mec il est en mode. Et ils ont l'air confortables! It's comfortable, isn't it? Cloud the fashion critic. Look, just take it outside the parlor, would you? Sorry, we'll stop. So, what should I do about the outfit? You just leave that to me. I'll put you in a dress so fabulous, you'll look like a million gil. So long as you can afford it. How much? What I said. But don't worry. It's obvious you can't afford a dress with that kind of price tag. So listen, I have an idea. There's an underground coliseum in this town. Up for a fight, Cloud? Good. Because I'm getting you into that arena. If you win the tournament, I'll transform Aerith into a drop-dead gorgeous beauty. There any prize money? Yes, for the person who got you in. So, what do you say? All right. That's what I like to hear. You'll need this. They're already letting fighters inside. You should hurry. Run along. T'aurais pu commencer par ça au lieu de me masser les mains.